Aujourd'hui, j'ai retiré mes ongles parce que, encore une fois, ça ne tient pas. Et j'en ai marre d'aller faire ça tous les 2 jours. Il y a tous les 2 jours un truc qui pète, mes cils qui n'ont pas tenu, mes ongles qui cassent. Le broolif que j'ai fait, il n'y a aucun résultat. Enfin voilà, du coup, je retire tout. Et franchement, à Dubaï, je vous jure qu'elles sont vraiment nulles, quoi. C'est n'importe quoi. Et ça me fait grave trop chier parce que, franchement. C'est des heures pour faire tout ça, mais au final ça tient jamais. Laisse tomber quoi. Mais j'en veux plus, je suis en train de vous parler, j'adore du chocolat. Ben voilà les filles. Franchement, sans vous mentir, je pense que ça fait facile 12-13 ans que j'ai pas eu les ongles comme ça. Je mets toujours, 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 toujours de la couleur, du gel. Et là voilà, ça m'a trop saoulée. Je vais les laisser un peu comme ça parce qu'en plus ils sont super mous, donc je vais un peu les laisser, je pense, un mois respirer comme ça. J'aime pas cette sensation quand c'est mou. En plus, tu peux même pas tirer sur ton pantalon, tu peux rien faire parce que t'as trop peur de te retourner l'ongle. Du coup, là, je vais aller en pharmacie, je vais chercher un produit qui durcit les ongles. Je sais pas si je vais trouver ça ici. Je sais même pas si c'est dans une pharmacie en vrai, je pense. Un abonnement avec mon téléphone parce qu'en fait j'y achète des recharges prépayées mais ça me coûte super cher parce que comme je fais des snaps souvent et tout ça, bah, la recharge elle part hyper vite. Donc j'étais déjà stressée en me disant je savais pas comment j'allais faire pour demander un abonnement sans faire de bourde, mais ça va, j'ai de la chance que la vendeuse elle parle français. J'ai trop de chance parce que franchement je dépense 100 euros par mois, ouais, plus ou moins, peut-être même voire un peu plus pour justement mes recharges. Du coup, c'est plus intéressant pour un abonnement. En plus, le wifi à la maison, il ne fonctionne pas dans la chambre. Du coup, j'ai wifi que dans le salon et pas dans la chambre.